présidé par le chef de l'État. La cérémonie officielle de lancement de Dakar 2012 a surtout été marquée par le diagnostic sans complaisance fait par ses organisateurs. En un mot, ils veulent que la Biennale de Dakar s'adapte aux nouvelles exigences de qualité et d'organisation. Il importe au plus vite que la Biennale soit dotée d'un statut qui permette de réduire autant que possible ces forces d'inertie qui en limitent l'épanouissement et l'efficacité. L'art et l'entreprise n'est pas seulement un slogan. C'est surtout une réalité qu'il est important de tâcher entre l'État et le secteur privé. Par conviction, quelques entreprises sénégalaises participent au développement de cette relation de fonds volontaristes. Il est à notre avis important de créer des conditions juridiques et fiscales qui encouragent l'entreprise à accompagner le développement culturel en général, la création et la promotion des arts visuels en particulier. Cette quête de qualité a rencontré l'adhésion de l'État du Sénégal. L'adhésion à la Biennale 2012 a connu une hausse. Il est notamment question d'encourager et de faciliter l'organisation de grands événements de la dimension de la Biennale. Il est question de mettre en place un environnement juridique, réglementaire et social pour l'amélioration du statut des créateurs. Il est question de promouvoir par des politiques hardies une économie de culture génératrice de richesses. Dans cette perspective, je demande au ministre de la Culture et du Tourisme, M. Youssou N'Dour, de favoriser un climat permanent de concertation avec tous les acteurs afin de trouver ensemble une liste salutaire qui conduise notre pays vers la splendeur des cités de beauté et de lumière, pour que le Sénégal retrouve sa position de creuset culturel et de création artistique. Sur ce chemin, le monde des arts a rendu hommage à Pape Yves Attal et à Jo Wakam, des choix pertinents aux yeux du premier protecteur des arts. Célébrer ces deux figures de l'art contemporain indique que la reconnaissance mutuelle est bien le fil qui relie les artistes le long des générations. L'artiste n'est pas un acteur isolé. Il est de part et d'autre traversé par cette tension, tantôt joyeuse, tantôt angoissante, qui est la base de la vie sociale, politique, économique et culturelle. Ainsi, les artistes n'accompagnent pas seulement les mutations qui affectent les sociétés contemporaines. Ils sont des acteurs à part entière dans la construction du destin du monde qu'ils inscrivent par la beauté de leur œuvre et l'éternité dont elles sont porteuses dans l'universel. D'autres artistes à qui le président de la République a rendu hommage, Ousmane Sow Huchard, Ousmane Sow le sculpteur, Ismaël Lo, tout comme les lauréats 2012 de la Biennale de l'art africain contemporain, dont le grand prix, le prix Léopold Sédar Senghor, a été remporté par le Marocain Younes Baba Ali. On s'arrête un peu sur le discours du chef de l'État face au